Bonjour, alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment récupérer le chat fantomatique. Alors pour cela, nous aurons besoin en fait de fantômes à la fraise ou de fantômes au bedomdom. Il semblerait que cela marche avec les deux. Soit vous prenez dans votre stock du dernier Halloween, soit vous pouvez soit les crafter, soit les acheter à l'HV. Prenez-en une petite quantité. Quand vous verrez le chat, il faudra en ingérer en fait jusqu'à devenir un fantôme. Moi, j'ai eu de la chance, ça a été bon du premier coup. Et il faudra aussi en fait en proposer au chat. Autre chose, le chat apparaît seulement de nuit. Donc il faudra regarder sur les timers jour-nuit quand est-ce que tombe la nuit. En sachant que Guild Wars 2, c'est 2 heures de jour, 1 heure de nuit. Donc après à vous de voir par rapport à là par exemple vous voyez, je suis au précipice, il fait nuit, c'est magique. Hein. J'adore toutes ces étoiles. Et ben, je vous donne rendez-vous au lac d'Auric. Alors, j'ai trouvé le chat. Il est ici. Donc, lui. Est-ce que je suis... Il ronronne joyeusement. Donc nous revoilà au lac. Je me suis positionnée au point de passage de la retraite de la feuille rouge. Et ce chat, en fait, apparaît quelque part dans la cascade nourricière. Donc moi je l'ai trouvé vers ici semble-t-il. J'ai vu une photo où il aurait été vers ici. Il faudra vous balader en fait dans toute la zone. Alors, mon chat fantôme. Chat. Chat fantôme, il est là. Et voilà, en espérant que ma vidéo vous a été utile et vous a plu, je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir suivi. Bye bye!